Pas au commun, je reviens. Au truc. Bon, bah, re les amis. Alors, re les gens. Désolé, j'ai eu des problèmes perso et bon, j'arrive pas à monter là. Donc, bon, là, ce qu'il y avait là. On a peut-être tes problèmes perso quoi. Quoi? On a peut-être tes problèmes perso. Bah, on l'a juste entendu dans le bout du live. <Je sais. rire> Par contre, je suis bloqué là. Je te vois pas en live. Bah, si, je suis en live. Attends, faut que je rafraîchisse la page. Oui, donc la première partie ne sera pas en vivre sur la chaîne YouTube parce qu'il n'y avait pas autre. Bah, t'as juste essayé de trouver des briques pour construire un pont pour faire la mission. Voilà. Parce que YOLO. Tu sais tout. Tu sais tout, heureusement. Continox 01. Non, moi je me le vois en live. Donc, oui bah attends gueule. Bah du coup non c'est plus ton live maintenant, c'est moi qui le monopolise, voilà. Ok. Bah, T'as plus le droit de parler. Chut. Ok. Chut. Voilà. Le gros blanc sur live c'est tout le live ça s'arrête comme ça. Comme le bruit du tunnel avec le vent qui souffle. Que le mec il part dans une poésie solo, tu sais. Ok, pourquoi tu remontes un tunnel là? Pour revenir. Oh la pub YouTube là, tes gueules. Tu me saoules. Alors. J'ai juste redémarré moi mon PC parce que Monsieur Vegas Pro ne voulait pas se lancer. Vegas Pro, le truc le plus fiable au monde. On dirait FIFA World. Il y a Première Pro, mais apparemment, bah voilà. On dirait FIFA World. Non, c'est moins buggé que FIFA. Ah mais il y a plein de super briques en fait ici, j'avais même pas vu. Parce que t'as un ivoirien. Salut. J'ai fait les bruitages à la main. Sérieusement. Le gros clé. Sans amis. Fixe. Hein, sans okay, amis. J'en fixe. Ai 43 000, bon, je pense que c'est... Je pense que... C'est une urgence. Je spawns, non mais en fait j'ai pensé à Panzer parce que le Panzer c'était Panzani, un... lol. Non c'était le Panzer c'était un comment un je sais plus parler tout à fait bon, je construis le pont. C'était un char militaire. Oh c'est magnifique l'animation. Je donne à peu près un papier et un crayon, je refais la même. L'aime. Ok, ça je le prends, hop. Toutes les pièces. T'as vu l'animation? Ouais. Le gars. Ouais, super. Super construction assemblée, 3 sur 65, putain t'as pas fini. Alors il faut aller où? Il faut aller là. On peut entendre toutes les pièces qu'il y a. Ouais. Oh vache. Bon, je pense qu'il va y avoir une cinématique. T'as combattant de karaoké, ta gueule. Oui, cinématique, oui. Donc tu vas regarder. J'ai regardé tout le let's play de Mario Video 44, lol. C'est qui? Ah, c'est deux frères qui font des vidéos sur YouTube. Ah, on dirait comme... Ça s'appelle comment? Il y a Team Miel. Sauf que c'est pas oui, des frères. Ouais, c'est des potes. Mais eux, c'est deux frères. Mais eux, ils sont quand même montés en abonnés, sérieusement. Ouais, totalement. Ah, le chargement qui va durer 3 heures. Non, c'est bon, ça va bientôt reprendre. Donc, tu vas te taire. Barry Smith, plomberie 24 heures sur 24 et gourou de kung-fu. Déblocage de tuyaux et de chakras depuis 1987. Ouais. On peut toujours essayer. Il faut que j'ouvre ça. Je me demande si ça pourrait me servir. Voilà. Depuis 1987, hein. Il va me falloir faut bien le dire, hein, c'est pas très vieux. Construction. Il me faut 40 000 super briques pour pouvoir faire la pyramide. Il se calme avec les super briques là, c'est bon. Vous calmez tout de suite le jeu là. Là je suis en train de m'admirer ma belle mort au KTM. Mort par creeper quoi. Fallait pas le dire. Ouais, là, je m'en fous. J'ai déjà spoil sur Twitter, sur Twitter. Sur Twitter. Sur Twitter.
C'est très la tuitosphère. La tuitosphère. La tuitosphère. Tu t'améliores beaucoup. T'as jamais vu la vidéo de Natou? Non. Oh, tristesse. Et donc là, il faut mettre 8 TNT. Que ça croit trop dans Minecraft. Mais c'est vrai, c'est annoncé, c'est une dynamite. Désolé. Oh non, c'était nul. LDM qui est parvenu sur Twitter depuis. What? Oh, c'est trop bien. Depuis qu'est-ce que je fais? Ah, oh, c'est trop bien. Pourquoi j'ai mis arrobas Twitter en fait? Oh, regarde ce que je fais, c'est trop bien fait. Avec le gamepad et tout, c'est trop bien fait. Non, mais je vois pas l'écran du gamepad. Bah, c'est normal. Bah, oui, c'est normal. Ok, donc le gars est tombé. C'est quoi ça? Ça sert à quoi? Ah, c'est un mini-jeu quoi. T'as jamais fait ça à la kermesse de ton Bah, si. Oh, c'est trop bien fait. Bref, T'as gagné, c'est génial, c'est génial. Ok, par contre, t'es tombé quand il y a eu l'ascenseur qui a. Mais t'as vu ça? Il est tombé comme. Wouah, génial! Un feu d'artifice qui représente un bonhomme en train de faire une prise de karaté. D'accord. Ah, mais il y a une super brique, d'accord ça. Ah, ok, ça donne des super briques. Non, mais ferme-la. Pas de quoi. Ah, voilà, c'est ça qu'il va le faire. Je joue un peu à Watch Dogs, voilà. Ok, sympa. Je déconne. Je déconne, madame. Mais je savais pas. En même temps, je peux jouer à Watch Dogs en même temps de faire un rendu, hein, mais. Bon. Lol. C'est vrai? Lol. C'est drôle. Bon, peut-être pas avec mon PC portable, je pourrais pas faire les deux en même temps. Ok, il y avait une dynamite sur le toit. C'est les mecs super prudents. Attends, on va mettre la dynamite sur le toit. Ne vous inquiétez pas, ça va pas exploser. Au moins, c'est en sécurité. Si on en a besoin, on la balance, ça pète tout, mais c'est pas grave. C'est super prudent. Ça pète, attention. Boum. Oh, juste au même temps que tu l'as dit, ça a pété. J'ai ah non, mais il faut que j'ai la tenue. Ça au pif. Qu'est-ce qu'il y a? On va aller voir Monsieur Steam parce que je voudrais bien prendre Dead Rising 3. Allez, viens. Viens. Voilà. Connexion au compte Steam d'Amino Tester 2. Lol. Je vois pas ce qui est drôle. Pas moi non plus. Ok, donc l'écran qui s'assombrit, on sait pas. Ah, Ocuse est en ligne, LDM01 est en ligne. Qui en ligne. Bah LDM. Sur Steam. Oh, what? Tu savais que Rise the Son of Rome va sortir sur PC? Tout je en sais. Douceur. Ah non, je savais pas. What the fuck? Ok, donc le gars dit tout en douceur. Je regarde Steam. Ah, mais je suis tombé. Je regarde Steam et là, Rise the Son of Rome. Ok, 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 ok. Va te faire foutre. Il y a aussi le Borderlands The Pre-Sequel qui a l'air d'être pas mal. Ah, c'est pas Borderlands 2, c'est Borderlands 2. En Dead Rising 3 que je vais me prendre aussi. Calme, The Binding of Isaac. Je vais pas trop bugger. De quoi? Il est hyper bugué. Hein. Je m'en fous qu'il soit bugué ou pas. Vite. Prends juste ce jeu. Je prends, me prends juste ce jeu pour le lol. Et il y a encore sa mère qui est venue. Voilà. Très les boules qui est. Ah non, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il y a? Tout en douceur. C'est ta mère qui est pas trop peut-être. Mais ouais, elle crie, on sait pas pourquoi. C'est ça va, non, ça va pas, c'est pas grave, on s'en fout. Ok, il y a une photo avec François Hollande, lui il regarde à droite et tous les autres gens qui sont autour de lui regardent à gauche. Ah, mais attends, ah, mais ça servait pas à ça, ok, d'accord, je me suis complètement fail sur le truc. Quand tu sais pas la comment la circonstance, le mec. Ah, mais ça servait pas à ça, ok. Ça va, tu dis pas des trucs dégueulasses. Tout en douceur. Oh non, mais le gars il fait tout en douceur. Ah. Quoi? T'as dit quoi? Tout en douceur. Quoi? Oui, un feu d'artifice. Lol. Un
c'est pas grave. Je suis déjà à 27% de mon montage, ok. Ça va assez vite. Ouais, elle va te mordre. J'en ai plus besoin de montage. Alors tu vas faire toute ta vie des vidéos en 360p. Mais non, mais t'es con avec Rec Central. La vidéo de Mario Kart 8, la mise à jour, c'était pas avec 360p. Hein. Ah ouais. Voilà. Et je sais plus parler aussi. Bon, alors j'y suis presque, il me reste un feu d'artifice. Je fais des rendus pour que ça soit plus beau. Ok, c'est bon. Ce blanc. J'ai tout compris. À l'énigme. Ouf. C'était moins une. L'énigme. Cette torche a brûlé juste à l'énigme. Que j'arrive. L'énigme. L'énigme. Voilà. L'énigme. Lol. J'entends le bruit du feu d'artifice, quoi. Sérieusement. Ok. Dragon. De feu. Le... Dragon 2. Parle pas. D'accord, on ne parle pas, ok. Ok, le dragon qui est vivant. D'accord, le dragon qui est vivant. Wow, c'est moi qui pensais que Dunby avait mauvaise haleine. Dragon. Lol. Non, non, okay, non. Ok, donc non, tu non. dois te taire. Yolo, pas ma sculpture. Ah. Tu vas te taire. Non. Chut. Oh, peut-être. Aucun d'eux ne correspond à l'image que je me fais d'un Barry. Il y a peut-être une sonnette pour appeler un réceptionniste. Allô ? Ok, il a bugué. Qui a bugué ? Ah non, je croyais que t'avais bugué, je t'entendais bizarre. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Ok, c'est ça qu'il faut faire. Le truc qui clignote pas trop. J'ai déjà vu la cinématique. C'est encore mieux qu'une sonnette. Quoi ? J'ai déjà vu la cinématique après, quand tu vas prendre le truc. Ok. Cinématique. Watch Dogs, Bloodgood, DLC, il faut que t'écoutes ça. Bienvenue dans Apprenez le Kung Fu en dormant. Détendez-vous. Vous êtes maintenant totalement détendu. Fin. Je connais le Kung Fu. Prouve-le-moi. Et la plomberie. Peut-être que tu devrais d'abord te mesurer à quelques-uns de mes disciples. Oh, la cinématique elle est énorme. Au profond de toi, le potentiel que tu caches, et tu triompheras de tes ennemis. Un autre truc utile. Oui, attends 30 secondes, je finis la cinématique. Voyons voir de quoi tu es capable. Oh, oui. Mais bon. Ah, c'est bon. Tu connaissais les risques en entrant au dojo. Pas mal. Ok, il est mort. Un peu les rapports de force. Non, il est pas mort. Et, ben, mon non, mais toi, t'es mort. T'es une vraie brute. Ah, il est donc là, je vais prendre le coup de là, Thierry. Je vais prendre le kung fu, ok. Cette fois. Donc, c'est une espèce de voilà. Tutoriel. Ouais. Libère ton esprit. Comme c'est super le tutoriel. Après, libère si tu ton esprit. Après, si tu ne connais pas le Sat Panda, tu sais pas de quoi je parle. Non. Non, voilà. T'es un inculte de la vie. Bah, salut, c'était cool. Oulala. Oulala. Oulala ta mère. Ouais, tu vas te calmer toi. Faudrait peut-être que je joue un jour à Sleeping Dogs et à Saints Row. C'est tellement pourri. Souviens-toi. Sleeping Dogs il est bien, Saints Row il est bien aussi. C'est un genre de GTA mais... Ouais, je sais. Avec Watch Dogs dedans. J'espère que tu es bon au bras de fer. Non. Le bras de fer. Chinois. Si dans la forêt. Souviens-toi, un voyage de 10 000 km commence souvent par un coup de fil à une agence de voyage. Oui, ça fait vraiment ok, très, tu peux tout tuer le jeu. Ah, ça c'est très bien.
Mec qui est trop concentré, tu sais, il parle pas, il est trop concentré. Bah non. Si dans la forêt un arbre tombe juste sur toi, est-ce que ça fait mal? Oui, ça fait vraiment très mal. Ah, c'est très bien. Eh mon gars, vas-y, lol. Non mais venez les amis, n'ayez pas peur, je vais juste vous tuer. Quand tu te bats, ton esprit. Sympa de c'est. Je viens juste vous tuer, lol. Détends-toi. Tout à l'heure j'en étais à 28%, maintenant j'en suis à 34%. Ça va très vite. Alors, console 3DS, Wii U, DS, Wii, PS2. Logiciel de stream, open broadcaster ce soir. Enfin, ça, c'est mieux bien le gars. C'est mieux qu'Xsplit. Ouais. Xsplit, ça, ça te bouffe de la RAM pour que dalle. Ok, donc je vais me faire. D'ailleurs, tuer. Tu vas le faire gagner quand le code d'Xsplit. Oui, c'est vrai. C'est le mec 3 ans après. Tu remarqueras que les gars en tenue marron sont un peu plus coriaces. Il y a sous un peu ténèm. Ouh, je l'ai tué. C'est pas bien de tuer des gens dans un jeu tout public. Oh non. Y'a tout le monde. C'est cool. C'est y'a tout le monde. Je vais vous tuer. Pas viser deux personnes en même temps. Ok. C'est à retenir. Parce que j'ai juste de me faire défoncer. Non. Ok, donc il m'a bien tué. C'est trop douloureux. Hashtag YOLO. Voilà. Ah bah non, il est pas mort. Ah bah si, chut, c'est match. Tu t'es bien battu. J'ai même pas parlé, mais qui dit comme symbole de ton talent. Je ne peux pas accepter ça, Barry. Pourquoi? Mince. Oh, la musique. J'ai fini la mission. Ta gueule. 17 minutes, le mec qui a pris tout son temps, quoi. Bah non, elle était longue. Mission spéciale, fou de kung. On écoute la musique. Ok, tu sais ce que ça faisait? Ça faisait, j'ai fini la mission 1-1-1. Tu faisais ça? Et qui est en train de se faire baiser par la femme à visite. What? Tu fais quoi dans ta chambre? Rien. Oh oui. Attends quoi? Ah non. Piggy 18. Non. Hey Chase, vous êtes occupé? Ça a un rapport avec le service que vous deviez rendre à Ellie? Oui! Ah, quelle histoire! J'étais volontaire pour aller chercher notre tout nouveau camion de police ultra-moderne, en vue de son inauguration au commissariat, cet après-midi. Mais vous avez été détourné par des criminels, c'est ça? Waouh! Comment vous le savez? Attendez, à quel nombre je pense là? Allez, un indice, c'est 6! Le camion, Franck. Ah oui! Eh ben, ils ont roulé avec un bon moment, mais là, on est à l'arrêt. Une idée de là où vous êtes? Pendant qu'on roulait, j'ai entendu très fort une corne de brume. On a dû passer le long des docks. Les docks, Et puis je me souviens avoir senti comme un passage à niveau. Des rails, d'accord. Et à l'arrêt, j'ai regardé dehors et j'ai vu Krabikov. Vous? Oh, j'arrive tout de suite. Où ça? Voilà. Allez, écoute la cinématique. Ouais. C'est une urgence. C'est bien cinématique. Je suis pas en modo en fait, mais Twitch il est lent. Mais moi je suis même pas en modo. Hein. D'accord. Mais j'ai toujours le même rocher. Hein. Ou l'explosion. Désolé. Arrête, je te bonne. Regarde ce que je fais. Raté. Hop là. Ah, le bâtard! Sniff. Pendant 600 secondes, on n'a pas le temps. Hein. Bon, alors je sais pas où il faut aller, j'ai pas trop compris. Non, c'est pas mon cas.
Mais non, je peux pas. Je peux plus. Réunir les bénévoles du chat ou connecter les deux secondes. Non, ça reste. Oh, mais les voitures, elles sont venues dans ce jeu. Voilà, tu peux reparler. Si tu respam, je te rebloque. Ok? T'as compris? Hein? Non. T'as compris la blague? Ah, ils sont là. Hé! Hey, vous êtes là-dedans, Franck? Oui! C'est vous, Chase? Vous êtes venu me délivrer? Chut! Johnny! Va chercher le reste de la bande! Et dis à Monsieur Chan que nous avons de la visite! Oh! Yémanvé! Je crois que les voleurs sont encore dans le coin! Adieu! Soyez discrets! Adieu! Ok, donc il est parti. Ok, donc on va faire tout ça tout seul. Chase, seriez-vous en train de vous battre? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, mon enfant. Oh, c'est magnifique ça. Ok, il n'y a pas beaucoup de monde. Il n'y a pas beaucoup de monde, mon enfant. Toi, tu vas crever, voilà. Enfin, tu vas être menotté, lol. Non, mais tu te calmes, toi, tu vas crever. Voilà. Non, bah, toujours pas. Non, mais le gars, il est... Allez, salut. Allons-y. Si vous roulez vite, on peut encore arriver à temps pour l'inauguration. Je vais déjà essayer de nous sortir d'ici vivant. Et moi qui pensais ne pas avoir beaucoup d'ambition. Prends le contrôle. Pourvu qu'on arrive à temps. Je ne veux pas décevoir Rie. L'un des membres du gang a mentionné un certain Chan. Une idée de qui ça pourrait être, Franck? Probablement Chan Chuang. Il n'est pas ici depuis longtemps, mais il paraît qu'il gère le plus grand atelier de démontage de la ville. J'espère qu'on y travaille bien. C'est une casse illégale, où les véhicules volés sont démantelés, Franck. Dans ce cas, je devrais peut-être annuler ma commande. Je pense que ce Chan est lié à Rex Fury. Oh my god. Criminel. Oh, sa voiture, elle est classe. Youhou. Oh, comme je l'ai tué. Mais sans tous ces ennuyeux dispositifs de sécurité. Oh, la voiture. Oh, la voiture, comme elle a volé. On dirait que c'est nous les criminels de manquer la voiture. Allez, salut. Ok, le jeu qui lag. Ouf, oh my god. J'espère qu'ils vont pas inspecter l'arrière, parce qu'il y a plein de trucs qui sont tombés des placards. Oh non. Ok, il est là. S'il n'y avait pas ces méchants qui nous pourchassent, ça serait vraiment marrant. Youhou. Oh my god. Oh, c'est épique. J'ai mis mon camping-car en pilotage automatique pour aller faire une sieste à l'arrière. J'ai plus que deux cœurs. Il vient de me cogner la tête dans un placard. Oh my god, c'est épique. On dirait qu'ils ont cessé de nous suivre. Bien joué.
Vous pourriez vous garer au prochain coin de rue? Ouais, t'inquiète. Ouais, c'est bon. Ouais, c'était chaud, hein. C'était hyper chaud. Ça vous dérange si je reprends le volant? Je veux montrer à Ellie qu'elle pouvait me faire confiance. D'accord. Profitez bien des photos et des journalistes, Franck. Je ne peux pas attendre toute la journée, Marlon. J'ai un pont à rouvrir cet après-midi. Où est donc ce camion? Comme si je recherchais la gloire et la fortune. Moi, oh, mon public. Ah, le voici qui arrive, Madame le Maire. Juste à temps. Et me voilà avec notre nouveau camion. Encore une mission réussie pour Franck Chéri. Chaud devant. Chéri. Chéri. Désolé, madame. Bonjour, madame le maire. Salut, chef. Dunby. Chérie. Donut. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais à quoi vous attendiez-vous aussi en mettant Franck au volant? C'est votre faute, Marlon. Oula. Chase, donnez-moi de bonnes nouvelles. Vous avez trouvé Rex Fury? Eh bien... Ben, vous pouviez pas. Le chef vous a bien dit de rester à l'écart de cette affaire, non? Ah, vraiment? Mais pas du tout. N'est-ce pas, Chase? Non? Non, d'ailleurs, j'allais justement l'envoyer en mission sous couverture dans... Le gang de Chan Chuang? Je crois qu'il a un lien avec Rex. Oui, voilà, c'est ça. C'était comme ça que je suis arrivé, ça! Ok, donc on va être un... on va s'infiltrer dans un gang. Donc, voilà. Donc ça fait que 27 minutes, donc je pense qu'on va continuer, on va pas faire un épisode de 27 minutes. Par contre, il faudra vite que ça finisse, parce que j'ai envie de tourner sur Yulo Swirl aussi. Parce que voilà. Parce que Yulo Swag. Chapitre 5, sous couverture. Ellie! Vous vous cachez ou quoi? Tu parles. Je reste aussi loin que possible de Dunby. Moi, j'ai vu une araignée. Je ne vois pas du tout comment nous allons nous sortir de ce bourbier. Ben, c'est simple. Je suppose que mes parents payeront. Comme d'habitude. Hein? Ils sont extrêmement riches, vous savez. C'est eux qui possèdent l'hôtel Oni à Paradise Sands. Ah! Je comprends maintenant. Enfin, Jess part en mission sous couverture. Il va avoir besoin d'une nouvelle tenue. Eh bien, félicitations, Chase. Ouais, stylé. Super. Eh, hey, sacrée transformation. Je vous ai à peine reconnu. Ouais. Qui c'est ce type bizarre au sous-sol? Bon, je vais réfléchir à comment m'introduire dans le gang de Chan. J'espère qu'ils ont rouvert le pont qui conduit à l'île principale. Bonne chance, Chase. Oh, c'était Chase. Il est bête, lui. Encore un chargement, bon. Bah, on est tout seul. On est tout seul, il n'y a plus Damien. On est tout seul. Pam pam. Pam 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 pam. Ouais, je me suis trompée. À présent, trouvons un moyen de m'infiltrer dans votre gang, Monsieur Chan. Alors, donc, on va chercher une voiture.
Par contre, un gars comme ça dans la rue, moi, j'ai un peu... Oh non, tu te calmes, toi. Désolé, c'est voilà. Une urgence. Ouais, c'est parti. Ah, bah on peut passer à ce pont maintenant. Ah, c'est cool. C'est cool. C'est moi, on passe dans la ville là. La ville qui est trop bien. Oh, on passe dans la ville. Oh là là, trop bien. Ah, par contre, ta voiture devant, elle m'intéresse. Elle m'intéresse beaucoup. C'est pour la police. Non, tu te calmes. Voilà. Désolé, allez. C'est pour la police. Où ça envoie? Donc, nous sommes à la ville. En fait, la ville un peu plus sophistiquée. Allez, c'est parti. Là, il y a des meilleures voitures. Il y a plus d'activité aussi. Alors. On va faire un dérapage. Hop là. Allez, mission. Hey Chase, maintenant que tu enquêtes sous couverture, j'ai ajouté une nouvelle fonction à ton communicateur. Est-ce que c'est un dictaphone? Pour que je puisse faire des monologues, comme dans les polars? Non. J'étais déçu. Mais je décidais d'écouter la jeune fille. C'est parce qu'elle est audio. Pointe-le vers une fenêtre et tu pourras entendre ce qui est dit dans la pièce. Mais tu devras trouver un bon poste d'observation. Voilà qui allait sans doute m'être utile. Je remerciais la charmante dame et m'enfonçais dans la nuit. On est en plein jour. Bonne chance, Chase. Oh, les voitures qu'il y a. Faudrait que je trouve un endroit où tendre l'oreille pour recueillir des indices. Ok. Allez, donc il faut aller là-bas. Oh mais oh, t'es sérieux? Quand est-ce que ça commence? De quoi? Commence quoi? Rampeur, non, c'est pas ça qui m'intéresse. Comment on monte? Ah, mais les voitures qu'il y a, sérieusement. Oh. T'as un beau déguisement, toi. Ah, peut-être là. C'est fantastique. Il faut pas construire ça. Bon, on va le construire. Je sais pas où il faut aller. Je sais pas où il faut aller. Il faut aller en haut, il y a un truc là. Je le vois. Ah, attendez. Il y a un truc là. Il y a un truc en haut là. Comment on y va? Oh, il y a un truc là. Comment on y va? Je sais pas où il faut aller. Regardez, il y a une ligne en haut. Voilà, il y a ça là. Faut aller en haut. Et comment on y va? On y va pas par là. C'est quoi ça?
quoi. Ce qui m'a parlé. Faut que je rentre chez moi. Ouais. Ah. Non. Je me demande ce qu'il a voulu dire. Non, attendez, hop. Qu'on peut faire plusieurs trucs, ouais. Non, pas du tout. Salut. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Non. Bon, bah je sais pas où il faut aller, je suis bloquée. Je suis bloquée. Bloqué dans un jeu Lego. Lol. Qu'est-ce que t'as rigolé toi, hein? Moi aussi j'adore Lego City. Et j'aimerais bien savoir comment on monte. Je sais pas où il faut aller. Non, mais c'est incroyable. Faudra que je regarde une solution, les oiseaux. Donc on est au chapitre combien? Je sais pas qu'on est au chapitre combien. Alors, Solus Lego City Undercover. Voilà. Alors, désolé, hein. Je suis obligée de faire ça. Alors, chapitre 1, allez directement en prison. Quête principale, voiture usagée. Mais c'est quoi c'est... C'est pub là, sérieusement. Sous couverture, voilà, c'est là. On est au chapitre 5, attendez, on a... Oh, il en reste beaucoup en fait. Il en reste hyper beaucoup de... Alors, je regarde. Ok, il paraît qu'il y a un... Il y a un tuyau. Il y a un tuyau, il paraît. Il y a un tuyau que j'ai manqué. Ah mais attends, mais c'est même pas là. Pourquoi je vais là, moi? C'est même pas là. Mais voilà, il est là, le tuyau. Oh là là. Oh là là, coincé ici, sérieusement. Je suis vraiment nul. Alors. Je prends tout, hop. Alors, je parie qu'il faut, hop. Ok, là c'est simple. Wow, le vertige. Wow. Allez, c'est parti. Alors, on va écouter les conversations. Je voudrais commander une pizza à pâte épaisse avec poivrons et champignons. Et une bouteille de soda pour arroser tout ça, c'est bon? Et pourquoi pas? D'accord. Parfois, maman, j'ai l'impression que tu m'aimes plus. C'était pas ça qu'il fallait écouter, je pense.
Écoute, je te l'ai déjà dit, si tu veux que je peigne ton portrait, il va falloir que... Okay. Alors, tu veux que je peigne ton portrait ou... Non, c'est pas ça qu'il faut écouter, je pense. Régler la fréquence. Pourquoi je t'appelle ? Parce que t'es en retard à ton entretien. T'es où ? T'es censé être à l'agence de Limousine Chan. Dépêche-toi. Tu le crois, ça ? Ce petit butler, là ? Le type qui veut entrer dans le gang ? Ouais ! Il était à la galerie d'art. Bah, tu sais, ils ont une magnifique collection de sculptures cubistes. C'est quoi, ça, cubiste ? Bucky Butler, pourquoi ce nom m'est-il familier ? C'est un type que j'ai coincé, il doit y avoir 2 ans de ça. Si j'arrive à le mettre hors circuit, je pourrais aller à sa place à l'entretien et rejoindre le gang de Chan. Ok. Bah c'est parti, j'ai envie de dire. Avec notre super voiture. Wow, regardez-moi ça. Et là, après quand on aura tout fini, on pourra piloter des avions et tout. Oh, ça va être énorme. Bien sûr, on va pas tout le temps faire le mode libre. Le mode histoire, on va faire du mode libre. Salut. Hyper vitesse. Hop, on va se garer. Hop là. Allez. C'est parti. Ok, donc il pouvait pas mettre plus loin le truc. Super. Alors, j'espère qu'il n'y a qu'un truc au jeu, parce que... Bonjour. Voici le portrait de Mona Lego. Au revoir, monsieur. J'espère que notre galerie vous a plu. Ah oui, merci. J'ai trouvé cette superbe copie à la boutique de souvenirs. Mince. On dirait vraiment l'original. Eh oui, hein. Bon allez, au revoir. Oh, tiens, je ne savais même pas que la boutique vendait des copies. Hé hey. Hé, hey, vous, arrêtez-vous. Je vous reconnais. Vous êtes le flic d'il y a quelques années. Quoi ? Ah, super la discrétion, Chase. Je voudrais juste vous parler. Allez, c'est parti. Il est où ? Ah mince, il est arrivé. Ok. Youhou ! Tu vas crever, mon petit, tu vas crever. Tu vas être dégoûté. Police, hop là. Oh, mais pourquoi vous arrêtez pas de m'arrêter ? Vous alliez rejoindre le gang de Chan. Hé, hey, c'est pas un crime, ça ? Et je voudrais pas avoir l'air de vous dire comment faire votre travail, hein. Mais si vous voulez m'arrêter, ce serait plutôt pour le tableau que je viens de voler, imbécile ! Hein ? Ah, oh, et puis zut ! Merci, Bucky. Bon,
Je ferais bien d'aller à mon entretien d'embauche. Oh, cette voiture est trop bien. Je vais la prendre. Pardon, excusez-moi, pardon. Hop. Bon bah c'est cool, c'est cool. Bon ça c'est pas très dur là ce qu'on fait. Je reviendrai plus tard pour faire le constat. En fait il est jamais revenu. Ça veut dire ça en fait ce qu'il dit. Non, mais non. Bon c'est encore loin. Donc attendez, on va finir cette ce chapitre et après on va s'arrêter là parce que moi j'ai envie de tourner du Sonic Lost World. Ah là c'était le fuck. Pardon. Il s'est pris le truc. Quelle bête. C'est toi le petit nouveau? Oui monsieur. Oh. On m'avait annoncé un voyou. Tu m'as l'air un peu trop respectable pour le poste. Ah, dans ce cas, tu devrais t'acheter des lunettes, le vieux. Ha ha, c'est plus ça que j'attendais. Bien, j'ai besoin que tu ailles chercher quelqu'un. Oh, il s'est perdu? En voiture. Bien sûr. Cette personne, c'est Forrest Blackwell. Le multimilliardaire? C'est exact. Mais ce ne sera pas facile. Monsieur Blackwell est constamment traqué par des paparazzi. Ils essaieront de vous suivre. Mais ça ne plaira pas à Monsieur Blackwell. PG, pas de problème. Je suis un as du volant. Brave garçon. Va le chercher à la tour Blackwell. Et sois poli. C'est notre seul client. Ok. Il faut aller le chercher avec une limousine. Alors, c'est parti, hein. On va faire attention. Voilà, ça va. Est-ce qu'on joue plutôt bien? Ça va encore. Ça va encore. Ok, les gars, ils allaient traverser. Oh, ah ben non. Pam, 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 pam. Pam. On se fait un sans faute là. Ok, je l'ai même pas touché le gars. Il reste moins de 1 minute, enfin 1 minute environ, je pense qu'on a le temps. Ah, pousse-toi par contre. Voilà. Ah, c'est bon. Sans faute, c'est cool. L'impact sur l'environnement. Monsieur Blackwell, pensez-vous toujours au scandale? Pourquoi ne laissez-vous plus personne entrer dans votre tour? Est-il vrai que vous préférez les chats aux chiens? Messieurs, s'il vous plaît, respectez la vie privée de Monsieur Blackwell.
Il veut juste se rendre dans un endroit mystérieux pour des raisons secrètes dont il souhaite que vous ne sachiez rien. Où dois-je vous conduire, monsieur? C'est fort aimable de me le demander, jeune homme. Je dois assister à l'une des ultimes représentations de la boîte de réception sans fin au théâtre Gillespie. On a dû vous prévenir que je déteste les paparazzis, n'est-ce pas? Ça va, le gars? Je ferai de mon mieux pour les semer. Ils foncent pas beaucoup de temps. Je suis conscient que cela peut vous obliger à adopter un style de conduite, disons, peu orthodoxe. Cela risque de secouer un peu. Oh, écoutez, ne vous inquiétez pas pour moi. J'ai déjà voyagé sur le dos d'un vaisseau du désert. Et rien ne serait égalé l'inconfort que cela a fait subir à mon postérieur. Êtes-vous amateur d'art vous-même, jeune homme? Eh bien, j'aime bien cette émission de télé où un singe résout des crimes. Ah, un fin connaisseur. Bien, puis-je vous demander de quoi parle la pièce que vous allez voir? L'autorité, les règlements, la bureaucratie, les soucis habituels des gens mesquins. On dirait mon ancien travail. Ah, voir ces plans contrariés par des bouffons. Mais que faire? Soit on les ignore pour vivre comme si de rien n'était. Soit on devient fou. Oui. Fou. Non mais le gars il tourne au dernier moment, hein, tranquille. Tu veux que je te fonce dessus aussi? Ou bien on agit dans leur dos et on fait les choses à sa guise, sans qu'ils s'en aperçoivent. La troisième option. Ne le dites à personne, mais c'est celle que je préfère. Moi aussi. J'espère que la pièce vous plaira en tout cas. Merci. Je crains que ce ne soit la dernière occasion pour moi d'en avoir une avant longtemps. J'ai un assez long voyage de prévu. Ok. Bon, bah 5 ans un peu loin. Non, c'est pas l'heure, t'inquiète pas. T'inquiète pas. C'est pas l'heure. Prends-toi pour toi. J'espère qu'il a rien. Pourriez-vous vous dépêcher? J'ai besoin d'aller aux toilettes. Ok. Bien, je crois avoir survécu de justesse à ce trajet, chauffeur. Ce n'est pas la peine de m'attendre. Je rentrerai chez moi par d'autres moyens. Au revoir. Au revoir, monsieur. Et donc? C'était une conduite admirable avec monsieur Blackwell. Ton manque total de respect pour le code de la route prouve que tu es un type sans scrupules et c'est appréciable. Merci. Je déteste le code de la route. Oui, j'ai l'impression que tu pourrais être le genre de gars que nous recherchons. Tu as déjà volé quelque chose? J'ai déjà volé des crayons. Oh. Un millier de crayons. À un gamin, qui boitait en plus. Excellent. Dans ce cas, tu vas recevoir une promotion. Rends-toi dans l'allée sur la gauche de la casse automobile, à Pagoda. Mon employeur attendra ton arrivée là-bas. Il te fournira les explications détaillées. Allons rencontrer Monsieur Chan. Ah, mais c'était là, en fait. Je suis allé pile au bon endroit. Je savais même pas, hein, je vous jure. Bon, la limousine, qu'on dirait qu'il ne ressemble plus à une limousine, en fait. Voilà. Hop là. Je suis ici pour une promotion. Toi? Mais tu as l'air d'un flic, toi! Eh bien, je n'en suis pas un. La preuve. Bonjour, chauffeur. Veux-tu gagner un peu d'argent? Arrêtez ça! Je vais vous virer, bande de rigolos!
Et... ce serait pour faire quoi? Chauffeur de braquage? Pas si vite. Chauffeur de maître, alors? Non! Tu dois d'abord faire tes preuves. Voici une liste d'instructions. Suis-les et reviens ensuite me faire ton rapport à la casse. Et ne te fais pas penser comme ces imbéciles! Bien sûr, Monsieur Chan. Je préfère Monsieur Chan. Mais t'es encore là! Ok, Chan veut que je récupère une voiture chez son rival pendant une fiesta là-bas. Ça, ça va faire de moi un trouble-fête. Allez. Je crois que je n'ai encore jamais troublé une fête. Allez, donc on va faire ce qu'il nous dit, hein. On est un peu des esclaves. Des petits esclaves. Hop. C'est beau, la voiture est belle. Hop là. Bon, bah elle est plutôt longue cette mission quand même. Où est-ce qu'il sort? J'avoue que je suis fou là. Ah, oh, ça devrait aller. Allez, pousse-toi. Sérieusement. Ok, donc le gars tranquille, la famille. Hop. Ok. C'est pas juste sourire. Qu'on soit obligé de garder cet endroit. Ah ouais. Eh, on pourrait aller en douce à cette autre fête près de la piscine de l'hôtel. Bah peut-être, s'ils se mettent à passer de la bonne musique. Et à servir à manger. J'ai tout compris. Il était censé y avoir un barbecue ici. Comment veulent-ils que je serve de la bouffe cramée et cancérigène dans du pain sans barbecue? Je n'ai pas eu 2 jours complets de formation comme cuistot pour faire face à une telle pétante. J'aurais pas dû manger tout ça. Bon, alors il faut trouver un disque et à manger. D'accord. Ah, ok. Hey man, ma sono a explosé. C'est la dernière fois que je passe de l'opéra dessus. Wow, t'es un petit prodige de l'électronique. Mais tu dois trouver un autre disque pour faire tourner les platines. Et badaboum. Oh, c'était pas prévu ça. Faut que je rentre chez toi. Et maintenant, je vais la faire revenir. Abracadabrac. Un disque? Aurais-je plutôt dû dire abracadébri? Non, c'était bien parfait. Crabe cadabra? Non, ça c'est pour faire apparaître des fruits de mer. Bah, je suis sûr qu'elle est en sécurité quelque part. Ah ok, d'accord, j'ai compris. On fait de la musique. Ouais. Je le fais, hein. Il bug pas trop. En fait, ça gâche un peu tout, la musique, mais bon. Oh, je dois refaire. Allez, je me concentre. Ouais. Yo, continue à prendre la place. Wesh. Merci à tous les 700 abonnés. Merci à tous les 700 abonnés. Ouais. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte Twitch et à mon compte Twitter. Et à mon compte YouTube. Ouais. Super!
Maintenant, pousse le volume jusqu'à 11. On avance. Oh, ce rythme, je peux pas résister. À plus tard. Allez, maintenant à manger. Quelqu'un aurait-il vu un barbecue dans les parages? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Ah, bon, ferme-la, que je me concentre quand même. Ah, bah non. Viens ici. Ah, d'accord. Hey, un barbecue! Et propre en plus! Je n'aurais pas besoin de tout noyer dans le ketchup pour masquer le goût cette fois. Maintenant, il me faut des trucs à faire cuire dessus. Ouais, c'est facile à dire, mais ils sont où? J'ai intérêt à terminer ça. Ouais, il faut que quelqu'un m'apporte la bouffe à faire griller. Et elle est où? Ça va? Pas le faire tomber. Ouais, bah elle est où ta je pourrais bien aller chercher de la nourriture. Non, bah je suis tombé, fuck my life. Elle est où ta nourriture, s'il te plaît? Oh, je vais pas le faire moi-même. Je sais même pas à quoi ça ressemble, des ingrédients frais. Ah d'accord, c'est pas du tout ça. C'est ça, non, c'est pas ça. Ça, c'est typique. Oh, mais Lou. C'est où? C'est ça? Ah, d'accord. C'était là. J'ai trouvé de la bouffe. Mon frère, j'ai trouvé de la bouffe. Tu veux de la bouffe, mon frère? C'est du poulet, c'est ça? Merci. Dans 30 secondes, il sera prêt à manger. Vous voulez un peu de tartare de poulet? Non, merci. Une odeur de nourriture que je sens, je crois bien, ouais. Allez, c'est parti. J'ai besoin d'un bon café. What? Hey, qu'est-ce que vous faites? Je lave les voitures en cachette. Attrapez-le. Tu te calmes toi, ok? Tu te calmes tout de suite. Parce que tu vas pas. Hop! Ok, c'était fait ça. Je vais te tuer toi. Il reste plus que toi. Oh là là. YOLO. Ah oh, mais je vais crever en fait. Je sais même pas si on a des vies dans ce jeu. Non mais tu te calmes. Non mais tu te calmes. T'as besoin? Salut. Ah
Allez, salut. Allez, c'est parti. La voiture, elle est pas très loin. Oh la what? Chase, c'est vrai ça que t'es devenu membre d'un gang criminel? Oui, c'est vrai. Je travaille pour Chan Chuang. J'arrive pas à y croire. J'avais de l'admiration pour toi, Chase. Je te déteste. Ce n'est pas pour de vrai, Frank. Je suis sous couverture, tu te souviens? Pour découvrir où est Rex et l'arrêter. Mais oui, je le savais. En fait, c'est plus la peine de signer cette carte. Bonne chance dans ton nouveau travail. Écoute, Chan m'a demandé de prendre la voiture d'un de ses rivaux. Ce n'est pas vraiment un chic type, mais il devrait sans doute être dédommagé par la ville malgré tout. Tu pourrais demander à qui de droit de régler ça. Bien sûr, j'en suis tout à fait capable. Une fois, j'ai remis un très important message du maire à Madame le maire. Ah. Bon, je t'envoie ça tout de suite. A plus, Franck. Ok. Donc la police est à mes trousses, attention. Allez, salut. Y'a plus la police comme par magie. Bon, elle est un peu cabossée, mais tu t'en sors quand même mieux que n'importe quel Gus de ma bande. Ah, au fait, Gus. T'es viré! Je crois que tu as prouvé de quoi tu étais capable. Ce qui tombe bien, parce que j'ai besoin que tu ailles à mon agence de limousine. L'alarme anti-vol s'est déclenchée. J'enverrai bien Feng ou Li, mais ils ont un peu les mains liées en ce moment. C'est d'ailleurs pour ça que je vous avais interdit de jouer à la corde à sauter pendant le boulot! Et ce vieux type qui travaille à votre agence de limousine? Oh, j'ai dû le licencier pour familiarité excessive à mon égard. Ça me fait de la peine vu que c'était mon père. Si tu trouves quelqu'un là-bas, je veux que tu règles le problème. Est-ce clair? Oui. Oh, et quand tu seras là-bas, les gens qui font appel à mes services tiennent à la confidentialité. Alors ne regarde pas mes registres! Oh, je n'y aurais jamais pensé. Qu'est-ce qu'il trafique là-dedans? Un, deux... Est-ce parti, on va le poursuivre. Ah, ok, donc je joue à ça. On va jouer à ça, bitches. Pam, pam, pam. Oh, la caméra, s'il vous plaît. What the fuck, il va hyper vite. Non, mais lol. C'est bon, il s'est échappé, salut. Merci d'avoir regardé ce live. Non, mais what? What the fuck? C'est bon, le gars, il s'est échappé, hein. C'est bon, c'est fini. Ok, donc là on va faire attention, hop. Voilà. Hop. Pam pam pam.
Ok, donc c'était là le truc où je voulais aller, mais en fait, c'est qu'un parcours acrobatique. Arrêter. Salut. Ok. Wow. Avoir affaire aux hommes de Chen. C'est un peu le cas. Je suis sous couverture dans son gang. Pourquoi étais-tu dans son bureau? J'essaye de trouver mon père, Chase. Hein? Quoi? Caché dans un tiroir? Non, non. C'est juste qu'avant sa disparition, on a vu mon père monter dans une limousine. Qui appartenait à Chan? Je pense, oui. Mais je n'ai rien trouvé dans le bureau de Chan. Juste des sacs d'argent vides du papa Lardose. Du papa Lardose? Oui, tu sais bien le glacier avec ses camionnettes. Oui. Je me souviens. Mais si Chan travaille pour le gang de Vinny Papalardo, ce serait Vinny qui bosse pour Rex? Hé! Hey, où vas-tu? Chan doit garder mon père prisonnier ailleurs. Arrête! C'est trop risqué! Je trouverai ton père. C'est le moins que je puisse faire. Je ne te laisserai pas mettre mon père en danger juste pour que tu puisses réparer tes erreurs passées! Ce n'est pas pour ça que je veux t'aider. En fait, c'était Natalia, donc voilà. C'est le fade de Chase. Et voilà. On a fini ce chapitre. Attendez, j'appelle juste. Qu'as-tu trouvé dans mon bureau, chauffeur? Rien. Je crois que c'est un animal qui est entré et qui a déclenché l'alarme. Une sorte de mule très têtue. Oh, pas encore! C'est pour ça que je t'avais dit de ne pas stocker de carottes là-bas, idiot! Vous inquiétez pas, personne ne sait que vous travaillez pour Vinny Papalardo. Excellent. Quoi? Tu as regardé mes registres? Désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher. Mais, waouh, Vinny Papalardo est un criminel d'envergure. Peut-être, mais Vinny Papalardo, lui, se met facilement en colère. Quoi? Je suis très calme, moi! Et je te vire! Et puis... Et il ne fait confiance à personne. Plus depuis que Mo, son bras droit, s'est fait arrêter en tout cas. Ah. Vinny serait probablement très reconnaissant envers quiconque résoudrait ce petit problème. Oh, oui, il suffirait de voler un fourgon pénitentiaire et de le récupérer à la sortie du tribunal où son procès a lieu aujourd'hui. Ah, attends une minute! Tu comptes pas rejoindre sa bande? Si, tu es mon chauffeur! Plus pour très longtemps. Si je réussis à tirer Mo de prison, ça pourrait m'ouvrir les portes du gang de Vinny et me rapprocher de Rex. Chase, t'as besoin de quelque chose? Que peux-tu me dire sur le bras droit de Vinny Papalardo? Mo De Luca? Ce n'est pas vraiment un criminel, juste le cousin de Vinny. Alors pourquoi passe-t-il en procès? Laisse-moi voir ça. Pas mal. 412 amendes de stationnement impayées. Des contraventions? Mais alors, je suppose que ce n'est pas trop grave, s'il ne va pas en prison. Qu'as-tu l'intention de faire, Chase? Chan bosse pour Vinny, et je suis pratiquement sûr que Vinny travaille pour Rex. Mais pour approcher Vinny, j'ai besoin qu'il me fasse confiance. En faisant s'évader Mo De Luca, ça ne m'a pas l'air très réglementaire, tout ça. C'est la seule piste que j'ai. La police aurait-elle un fourgon pénitentiaire que je puisse emprunter? Peut-être. Va donc voir Chuck derrière le commissariat. Je vais le prévenir. Ok, donc les amis, bon, je faisais n'importe quoi. Est-ce qu'il y a des bateaux? Je voulais juste voir savoir s'il y avait des bateaux. Non, il n'y en a toujours pas. Bon, bah, il faudra encore débloquer une autre zone. Donc, les amis, merci d'avoir regardé ce live ou cet épisode, car il est en diffusion sur YouTube.
donc c'était un très bon épisode. On a quand même assez avancé dans le jeu. Je sais pas combien il y a de chapitres, d'ailleurs je vais aller voir. Attendez, je vais juste aller voir combien il y a de chapitres. Hop. Donc voilà. Donc pour ceux qui ont regardé le live, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Twitch. Et c'est pareil pour ceux qui ont regardé la diffusion. Si vous voulez voir mes lives, allez voir dans la description, il y a ma chaîne Twitch. Donc, attendez, je regarde juste combien il y a de chapitres. Non, le chapitre 6. Il y a en tout 15 chapitres. Ok, donc là on est à peu près presque à la moitié du jeu. Donc je vous laisse imaginer. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cet épisode. Pour ceux qui ont regardé la rediffusion, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon Twitter. Voilà, donc on se retrouve dans bientôt pour la suite. N'hésitez pas aussi à suivre mon Let's Play de Sonic Lost World Wii U qui arrivera peut-être mercredi si je pourrais. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cet épisode et pour ceux qui ont regardé le live, merci. Et pour ceux qui ont regardé la diffusion, merci. Allez, bye!